Situé en basse Casamance, entre la frontière gambienne et le fleuve Casamance, à une trentaine de kilomètres au nord de Jigenshor, le département de Bidjona est aujourd'hui reconnu comme un carrefour géographique et un nœud de communication. Sa diversité est riche en culture Djola avec un climat savane propice composé d'un sol apte à la culture. Et oui, nous parlons d'agriculture dans votre émission AgriArt. C'est précisément à Tabi, dans l'arrondissement de Tangori, situé à Bignona, que nous rencontrons M. Momodou Lamine Diallo, ancien immigré qui est revenu au Sénégal, se consacre exclusivement aujourd'hui à l'agriculture. Je m'appelle Momodou Lamine Diallo. Je suis natif de la Casamance. Je suis né ici, grandi ici, à Jigenshor, région de Bignona. Donc voilà, j'ai fait mes études ici. Ça me cursus c'est plus la relève, primaire, terminale, am sama bac. Donc après sama bac en 2009-2010, je suis allé au Canada. Je suis resté 12 ans là-bas au Canada, mais bima yegge sama formation mon école comptabilité finance. Mom la jang am sama diplôme buma paré nek di liguey fofu nonou. Par la suite je suis revenu au Sénégal, beaucoup plus précisément à Bignona. En effet, l'agriculture, un ensemble d'activités qui favorisent des bénéfices considérables pour le bailleur, mais un travail, comme tout autre, avec un certain nombre de risques. Pourquoi ça m'a nibisibi au Sénégal et pourquoi m'a investi dans le bail? Donc, bon, autosuffisance alimentaire am ci dëkk bi. En même temps, pourquoi pas les gens ñu mëna promouvoir l'agriculture, ñu bëy suñu tool yi, les terres sont là, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc, gis na ni ki tamet investissement bu gaaw la, bu lay rentabiliser, rentabilité bi tamet dafa gaaw par rapport à autres. Et aussi le fait que de travailler pour quelqu'un d'autre, si ça aurait été ça, j'aurais juste resté au Canada parce que le salaire du fof non mo gëna bax. Donc bima ñibisé au Canada, ma xamné ki mëna investir ci ben projet bi nga xamné ça va me revenir à moi. Mi nga xamné man may ñak ba paré gis ndëriñ li dal. Donc motax ma def exploitation bi ni ma dugg ci mbay. Mbay mi donc ni ngeen ko gisé kani lañ ci def kani poivron toutes les variétés du piment on fait toutes les variétés du piment dañuy def kani gowana dañuy def kani xéñ le poivron le piment jaune vert jaune rouge et aussi on fait les cultures salade dañuy def tomate variété yépp dañuy def pomme de terre dañuy def oignon aussi. Et en même temps, nous avons une pisciculture parce qu'il y a un bassin qui est là. Donc, nous avons des jeunes. En même temps aussi, nous avons une phase de fraises, qui est zone sud de Casamance. Donc, nous avons fait les fraises en même temps. D'ailleurs, on a même commencé la culture. Peut-être dans quelques mois, nous avons vu l'avancement. Mais grosso modo, on fait tout. On fait toutes les cultures maraîchage avec les agrumes. Il y en a des bananes, on a des oranges, on a des clémentines, mandarins, on a pas mal de sortes, on a des avocats aussi. Quoi. Donc en général, on fait culture, on fait toutes les cultures. Bon, c'était ça, en arrière de moi, ben le madde mofanek, je sais au Sénégal, la consommation du madde, c'est vraiment machallah. Donc on fait du tout, on fait absolument tout. Quoi.
entre le manque de personnel, la chèreté des semences, l'instabilité des prix sur le marché, la gestion logistique, il faut un réel mental d'acier pour assurer le management du projet. Difficultés qu'on a ici, donc en premier lieu, on a une difficulté de main-d'œuvre, moins jeunesse. Donc, on constate que la plupart des jeunes, surtout les gens qui ont difficulté majeure, moins main-d'œuvre, le personnel. Donc, si on a un personnel, parce que ko am ay 7 hectares 8 hectares ba 10 hectares amul main d'œuvre bu doy xam nga culture yenen variété culture duko meuna def té en plus bu féké ci nawet lañ nek ñax mi il faut ñu génné ko bi génné bé ñax bi entretien affaire yoy non ça nous prend beaucoup plus de temps quoi donc en premier difficulté bob non lañ am le personnel quoi. Deuxième difficulté, moi, semence. Donc, on aurait vraiment souhaité que nous puissions subventionner les semences parce que les semences, ça coûte extrêmement cher. Les semences, ça coûte cher, trop. Les gens qui ont été nous qui ont été amenés, qui ont été amenés, aussi l'autre difficulté moi la clientèle nous nos produits on filen koy commercialiser Sénégal filen koy jaay mais s'est rendu compte que bon les prix ne sont pas favorables parfois bon gisé investissement bi nga def ci sa tol personnel bi il faut nga loger len il faut nga jox la ñu lek il faut ñu nane affaire yo nonu liguey bi tamat faut nga jënd semence jënd goutte à goutte jënd produits de traitement yépp. Après, il y a des produits à un prix vraiment prix bundao. Donc, vraiment, ça ne nous aide pas à la clientèle. Si on peut avoir une clientèle vraiment fidèle, fiable, bien ramenée, nous on fait des prix abordables. Lolo, mon, ça m'a manqué encore. Mais sinon, ça va, alhamdulillah. La clientèle, bien am. Nous on a déjà des produits, nous on dit c'est un petit produit, donc ça va quoi. Et aussi, il y a un problème avec la machinerie. Donc, nous avons un tracteur pour ce qu'on a. Mais on n'en a pas. Une fois d'abord, il faut garder. Donc, tu es obligé de garder le yag pour mener ce produit. C'est un produit de cette saison-là. Donc saison bi meuna commencer du mois de janvier mu diex 3 mois donc yow bo waron def say pépinière nga defar sa pépinière ba paré nga wara labourer amo machine bou lay labourer wala ngay xaar machine bou lay labourer xam nga perte nga saison bi manam fi nga wara jaay sa produit mu nek au top donc doko jaay manam bu féké produit bi admettons 3000 francs le kilogramme ki mois de janvier yow mois de janvier waron na fék nga commencer guéné sa produit. Donc c'est rendu que yow tu as commencé tard parce qu'il fallait que nga xaar gaay beyel wala gaay subventionner la machine wala ñu abal la machine wala ñu louer la machine donc retard bob non yépp ça joue du fait que bo waron jaay produit bi à ce prix là donc doko am donc problème gestion logistique bi dal daf ñoo manquer trop. Et au
aussi fu mu toll ni am nañ problème irrigation parce que ku yor ay 5 hectares ba 7 hectares do soxla do am nu mu tudd li ngay gëna soxla moy château d'eau donc fu mu toll ni soxla nañu château d'eau bi ñi xamne dinañ mëna jox ndox en abondance on va avoir de l'eau en abondance parce que bo xolé bo xol maraîchage duma la ko neub ndox moko yor quoi ndox kessé moko yor beaucoup plus tu as d'eau beaucoup plus production di gëna yaatu ce calibrage aliqué produit bi di gëna nand moy am durabilité moy am qualité donc ndox mom dañ koy manquer fort parfois quoi surtout saison hivernale dinañ manquer ndox parce que nap suñu nap bi day yegg di monter day yegg di wacc donc du coup il te faut parfois ngay xaar ba nap bi yegg nga mëna am ndox donc ndox bi waccé rek donc tu vas rester à ay heure nga xamné do arroser et aussi ça nous cause des problèmes donc comme bo amé forage mom bu taxaw da ngay rot sa bassin rek donc à tout moment mën nga irriguer donc tu peux irriguer le soir l'après-midi le matin la nuit n'importe quelle heure nga soxla ding ko mëna arroser quoi. Donc grosso modo difficulté yoy non lañ am personnel logistique bi moy semences bi ak matériel agricole ak genre subvention internet gars bon nous on fonctionne par nos propres moyens mala né fi amul ben état wala amul kenen ku ñu subvenir amul on fonctionne par nos propres moyens quoi. Ayant été confronté à la terre plus de 2 ans aujourd'hui, M. Diallo partage gracieusement avec nous ce qu'on pourrait appeler un conseil de cultivateur pour tous ces jeunes désireux de se lancer dans l'agriculture sans savoir par où commencer. Conseil bimédior pour la jeunesse, surtout au Sénégal. Donc on voit que beaucoup de gens quittent le Sénégal pour aller en Europe, def Eldorado, Dougoutigali, Didem, Ditaï, Lesen Bakan. Je dirais pas que c'est bon, c'est pas bon parce que ku nek dafa am conviction, ku nek dafa xam lan moko yëkëti pour lolu mu dem defi ko mais man je trouve que war nañ ko mëna bayyi quoi, c'est pas quelque chose bi nga xamné ça développe le pays. Ñun mi dem defi Canada 12 ans bayyi lepp luñ fa am toutes les avantages qu'on a ñu bayyi ko fofu nonu ñu ñibi ci Sénégal bëgg investir Sénégal. Té machallah ñu ngi gis suñu bop comme on le dit toujours la terre ça ne ment absolument pas. Imagine tu prends 3 millions nga dem ambassade pour ñu may le visa ñu refoulé la 3 millions bobu nonou sa 3 millions bobu nonou nga jënd ci ben parcelle bu 50 mètres wala nga jënd ci ben hectare 1 million maximum nga am ben hectare bo ci amé ben hectare il te reste 2 millions té 2 millions là nga xol no clôturer sa espace bobu non nga aménager ko nga clôturer ko tu as tes 3 millions déjà qui sont déjà garantis à 100% niki li fi la ko dougal clôturer na jënd na terrain clôturer na ko il te reste quoi chercher l'eau nga gas ben terrain 500 000 nga gas ben terrain tes planches tu commences à délimiter tes planches mo gën nga dem France jël sa 3 millions jox ko français bi ambassade mo may le visa nga dem et France encore difa daxanté avant ngay am liguey ça va te faire 1 an pour que tu aies un travail disons. Té yow bo amé liguey tu vas devoir payer les impôts, tu vas devoir te loger, nourrir, envoyer au Sénégal de l'argent. Té lool non yeb boko calculer, ça te fait 1 million le minimum. Bi nga xamné logement la, nourriture ak envoi au Sénégal ak sa téléphone bi ngay fay parce que nous nos téléphones là-bas c'est prépayé, tu le prends pour le mois ou pour l'année. Dan moko war, c'est rester au pays et de construire ton pays
Là, tu vois papa, tu vois maman, tu vois les frères, tu vois les sœurs. Nous sommes ni nous nan ataya. Comprends que social bi moi amul fele. Ça je te le dis parce que amo sama jot, amo sa jot. Le temps qu'on a c'est juste les week-ends, le samedi. Te demay ñeu 15 minutes ma baye la ma dem dohi sama soxla. Donc bo sété ba sét ici on a cette social bi mu ngi fi. Ya ngi gis parents yi, ya ngi dundu bu normal, ya ngi respirer bu normal. Donc pourquoi ne pas pouvoir rester au pays et investir pour le pays? Votre premier numéro AgriArt s'achève avec ces mots de notre cher invité sur la complexité socio-économique de l'agriculture en prenant en compte ses avantages mais aussi ses inconvénients. En tout cas, man, ce sont le message que je lance aux jeunes, quoi. Nous baillons souci. Il y a tellement d'opportunités, de potentiel. Il y a tellement d'opportunités, de souci. Nous rapportons. Nous baillons souci, quoi. Souci, mashallah, ça ne manque vraiment pas. Élevage bénéfique, agriculture bénéfique, pisciculture bénéfique. Il y a pas mal d'activités. Il y a beaucoup de choses. Avec 50 000 francs CFA, il y a subvenir tes besoins. Poussins, ni la médiane de poussins, il faut recevoir nos poulailles à la maison. Tu vends les poussins à 3 500, 4 000. Ça te rapporte de l'argent. Je suis venu à la set de vie, la neige, je suis venu à la vie avec genre métro, je suis venu à la bus. Ça va, c'est moi qui te le dis, c'est la galère. Je suis venu au Canada, il sait, manteau est au sol, botte est venu. Genre, tu es comme un pingouin. Ngay dakhanté ak glace bi tu déneiges ta voiture il est là da koy mour neige bi da koy mour donc tu es là à déneiger tu prends 2 heures de temps 2 heures de temps bi ngay jël nga déneiger sa voiture 2 heures de temps bob non boko jëlé nga def ben planche de 2 mètres nga liggéey ci ça te coûte beaucoup d'argent quoi franchement na xel yi ñëwaat Sénégal quoi ñu mëna liggéey suñu souf quoi man c'est ce message là que je lance aux jeunes quoi et courage à vous quoi vraiment merci.